Ah bah là ça fait chier parce que là du coup ça va partir. Le temps qu'il se fasse endormir. Ah putain merde. Oui c'est vrai effectivement ça se bat. Il va lui défoncer sa gueule. Ouais il s'aime pas du tout les mecs. Il s'aime pas. Ouah l'hélico là. L'hélico. Donc on va commencer, donc cette île était totalement détruite mon petit Michel, on s'en rappelle. On s'en rappelle, c'était clairement l'île de la dèche. Donc on va prendre une équipe de garde, clairement, on va conduire le véhicule. Et on va se déplacer pour aller un petit peu réparer quand même tout ce qu'on avait aux alentours. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas correctement, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas. Donc ici on va réparer. Réparation en cours. Là-bas, on m'a dit qu'il y a deux autres réparations potentiellement à faire. Donc, on va aller s'en occuper aussi. Là, on est bon. Isla Muerte, c'est une île assez violente. Et du coup, il va falloir faire très attention. Donc, je vais regarder un petit peu au niveau des enclos. De quoi sont faits les enclos? Qu'est-ce qu'on a comme enclos? On n'a pas des très grandes parcelles d'enclos. Est-ce que je vois, on a deux parcelles d'enclos. Deux petites parcelles. Qui me paraît vachement petite pour un herbivore. Enfin, pour un carnivore, pardon. Ça me paraît d'être des petites parcelles, quand même. Donc, on va regarder comment... Sur ces îles, il y a souvent des tempêtes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Des grosses tempêtes. Donc, écoutez, on va faire maintenant. Est-ce qu'on avait de la mission avant ou pas? Contrat en cours. On a zéro contrat en cours. On a tout... Demander un nouveau contrat. Allez. On va demander un contrat... Ah, mais tout est à zéro, quoi. On va demander un contrat de divertissement. Ce contrat fera des... Faites passer votre île à 0,5. Ok, bon. Allez. Ah. Les stations de vigilance météo contribuent à protéger les installations de votre parc des dégâts causés par les intempéries. Pratique, non? Ok. Les stations de vigilance météo protègent les bâtiments environ contre les dégâts et tempêtes. Ok, donc... Ok, ok. Donc je pense clairement qu'il serait peut-être judicieux de mettre un ici, puisque ça pourrait protéger le bâtiment d'une tempête, clairement. Ça pourrait le protéger d'une tempête. Donc ici, donc, on a le poste de garde. Là-bas, on a la centrale électrique. On a tout ce qui est protection, quoi, dans sa globalité. Ici, on a les labos qui nous permettent d'envoyer les dinosaures ici. Par contre, on n'a pas de... Ok, donc il va nous falloir créer déjà... Dans le centre d'opération, on va créer un centre d'expédition. On rebosse ensemble quand vous... Ok, là, on a eu 200 000 déjà. Ok, on a déjà 200 000. On remonte un petit peu. On va continuer d'être en déficit. Attendez, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on a incubé le petit pote. Oui, je sais, les dracoïdes doivent être E2, je sais bien. Écoute, on va l'augmenter. On va en mettre un autre. On va en mettre un autre. Ouais, population, il n'a pas assez, putain. Effectivement, il n'a point assez. Écoutez, on en met un deuxième. Oh putain! Est-ce qu'il a de l'eau, mon pépère? Il a de l'eau. Oh, ils m'ont rajouté l'eau. C'est déjà bien, les enfoirés. Voilà, regardez la note. La note du parc a augmenté. On est à 0 étoile. On est à 0 étoile. On est déjà à la moitié du... Enfin, quasi à la fin d'une étoile. C'est déjà superbe qu'on soit déjà là. Alors qu'on démarre très mal. On démarre très mal. On va pas se mentir. J'aimerais bien faire des photos pour me faire des thunes. L'un des bébés dinosaures dans le labo de création animale était trop fragile pour survivre. Oh, je peux plus. J'ai plus de thunes. On va le faire. S'il nous claque dans les pattes, on est vraiment dans la merde. Je suis pas en panique. Franchement, je suis pas en panique, mais j'ai peur. J'ai peur que ça échoue. Avec la chance que j'ai peur clairement que le bébé tienne pas le coup et que ça lâche. Va sur l'autre île, fais des expés, garde le truc avant et vends-les dans celui-là. Ah, mais attends, parce que c'est lié? Les deux sont liés? Alors, attends, putain, vite. Vite, centre de contrôle, hop, on part sur l'île, on repart sur celle-ci. Ne me dis pas que les deux sont liés, parce que c'est hyper simple dans ce cas-là. Si les centres d'expédition sont liés entre eux, finalement, et les centres de fossiles sont liés entre eux, c'est incroyable. La carte des expéditions, il me reste 2 minutes, donc ça va, easy, ça passe, crème. On repart du coup sur le centre de contrôle, on va switcher d'île, on va repartir sur l'île d'Isla Muerte pour aller voir comment ça se passe du coup avec notre petit Dracorex. Dites-moi que le bébé a survécu. Oh! J'en ai rien à foutre. Allez, hop. Oh non!
On part sur une clôture qui est endommagée. Clôture endommagée, clôture endommagée. Vite, vite. On va réparer tout ça. Vite, faut agir. Il s'est barré, putain. Oh, il a une sang. Il va crever. Ah non, il est sur un coin. Non, ok. Ouais, alors par contre, dangereux pour les visiteurs. Bah alors ça, je vous fais pas dire. Il y a un centre d'abri, au pire des cas. Opération, c'est le centre de poste de garde. C'est ça, on est d'accord? Sédatifs, les sédatifs pour les dinos. Allez, Kiki, putain. Allez, allez, allez. Tiens, foule là, rien à foutre. Vite. Ajouter une tâche, vite, un sédatif. Il est où? Aucun problème. C'est bon, ils vont l'endormir. C'est bon, on va repartir en situation sous contrôle. Ça va les amis, ne paniquez pas. Franchement, ne paniquez pas, on gère. Ça y est, on commence à gérer la situation. Maintenant, on va demander aux équipes de rapatrier bah, le pote. Hop, maintenant, toi tu le chopes, Michel, et tu me le mets ici. En route pour voilà. Récupérer l'objectif. Et ici, du coup, on va faire sortir... Ah, on avait un Street Yomimus, c'est vrai. On va faire sortir le petit pote et on va faire venir le Strutiomimus. C'est difficile à dire. Lui, il arrive, il va être content. Normalement, au niveau de son couvert, atteignez un taux de satisfaction moyen des dinosaures pour le besoin confort supérieur à 65%. Normalement, on va être bien parce qu'ils sont deux. Hein. Ce qui fait de nous des humains, c'est la façon dont nous traitons les autres maillons de la chaîne alimentaire. Imaginez au niveau de la population, l'interaction n'est pas bien parce que là, il y a peu. Hein. Normalement, là, l'interaction va continuer de monter un petit peu plus parce qu'on a fait rentrer Michel. Michel, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Strutiomimus qui est là. Strutiomimus, j'arrive jamais à le prononcer, on l'appellera Michel, c'est toujours plus simple. Et il est où l'autre? Il arrive ou pas? Il est où? Ah, il arrive. Donc là, on va regarder sa jauge et normalement, il va être bien puisqu'il a un nouveau petit pote qui va arriver. Et voilà, son interaction, elle a augmenté. Voilà, nickel. Donc là, il est content. Expédition terminée. Ok, nice, c'est ce que je voulais. Expédition terminée. Ok. Donc là, on est bien, on est bien. Okay, grâce à vous, les dinosaures se portent très bien. On a 200 000. Ok. Là, récompense tenez, de réputation. Voici une récompense. C'est pour vous féliciter de votre travail exceptionnel sur Isla Muerta. C'est pas facile, facile, hein. Il est pas bien en confort. Ah si, son confort, il est en train d'augmenter, autant pour moi. Sa nourriture, elle est basse, c'est normal, il avait été endormi comme une merde, on le rappelle. Les mangeoires, elles en sont 7 sur 10, on est bien aussi. Je veux juste voir pour l'autre, où est-ce qu'il en est. Hop, 16%, mais lui, il va remonter, lui, 16, 17, ouais, c'est bon, il remonte, c'est parce qu'il s'est fait endormir. Là, tout est bien pour lui, la nourriture, tout est impeccable, c'est nickel. Ok, on va repartir, attends, incuber, faire éclore, un carnivore. Bah oui, bah vous êtes marrant, vous. Ce qu'on va faire, du coup, centre de contrôle, on va repartir, on va reprendre le centre de contrôle. On va se casser de nouveau sur l'autre île. Faire le dilo parce que j'aimerais vraiment bien l'apprendre pour le coup. On va prendre sur ce parc là puisqu'il n'y a plus qu'un seul. Voilà, au niveau des interactions, il s'en bat un peu les steaks, lui tranquille. Donc c'est parti. Je vends le prix d'un vélociraptor. J'ai déjà mal d'avance. Oh putain, je veux pas imaginer quand je vais améliorer le génome. Alors c'est parti, donc il est prêt. Le petit est prêt. D'ailleurs, là on en est où? Les incubations sont assez lentes quand même. J'aimerais bien voir déjà leur réaction. Écoutez, on peut même rajouter un dilo ici, on va pas se mentir. On peut s'en rajouter un là. Ça fait de mal à personne. Équipe de garde, hop, on va rajouter une tâche à l'équipe de garde, juste là. Et... C'est le bordel, hein, quand tu commences à avoir des mangeoires de partout. Hein. Voilà. Ici, je pense qu'on peut leur mettre... On peut leur mettre un truc ici, je pense. Mais après, il faut que je regarde comment ils se sentent actuellement. Merde, je les voyais pas, j'ai eu peur. Ouais, l'interaction, c'est quand même just. C'est vraiment eux, c'est vraiment des dinos hyper insociables, quoi. C'est vraiment des cons. C'est des gros cons. C'est tout, c'est des gros cons. Il n'y a pas à chier, ils sont cons, ils sont cons. On va aller, c'est pas grave, on va aller quand même. On va aller, allez, on va faire un test. C'est parti. C'est un dilo, on va tester. Alors, on va modifier son génome. Allez, checker. Hop. Mais pas mal. Alors là, parce qu'on est sur une bonne défense, on a une résistance plus haute quand même.
On est sur un 52-46. Allez, 47-18. Là, on est bien. Moi, je vais partir sur la défense immunitaire pour lui. Allez, on va changer, on va tester. Par contre, sa viabilité de 46%. Je suis pas sûr que ça fonctionne. On va tester, mais... On va tester. Si ça vient lâcher... Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'incubation du Vélociraptor, les amis? Est-ce que vous êtes prêts pour son incubation? Pas les vélociraptors. Il faut plus d'interactions. Ils seront toujours des prédateurs alpha. C'est très bien parce que c'est pourquoi les raptors à comprendre. Parce qu'on en a un deuxième. Là, il est bien. Là, ils sont bien. Ils sont à la limite. C'est hyper rapide. Moi, je veux voir par contre comment ils se sentent les autres là. Wow, l'interaction, elle est hyper légère. On peut même en remettre encore d'autres. J'ai envie de mettre un dilo. C'est parti. Saloperie ça, hein. Saloperie ce truc là. Ça fait son effet quand même, hein. Ça fait son les effet. Les yeux de Dilophosaurus, situés sur les un côtés comme chez presque tous apport. Les prédateurs, l'empêchaient de voir devant lui. Du coup, il chassait grâce à son odorat. C'est toujours le cas chez de nombreux prédateurs actuels. Oh, ça va, il a la bougeotte, il court et tout, il trace. Écoutez, on va en remettre un autre. On va en incuber un autre. J'incuberais bien un petit vélo. Quoique, non, je vais mettre des dilos plus de ce côté-là. Je vais regarder à combien on est. Ça, ça se bat pas, hein. Se battre avec le raptor, je vais dire. De quoi? Serra et vélo si rap... De quoi? Et vélo se battent pas. Ben non, mais c'est bon. Ils se battent avec les raptors. Ah merde! Transfert, là, hop, et là, on part sur un endormissement. L'équipe de transport, pour moi, s'en bat les couilles. Hein. Ah non, c'est bon. C'est lequel des deux? Tâche ajoutée. Ah bah là ça fait chier parce que là du coup ça va partir. Le temps qu'il se fasse endormir. Ah putain merde. Oui c'est vrai effectivement ça se bat. Il va lui défoncer sa gueule. Ouais il s'aime pas du tout les mecs. Il s'aime pas. Ouah l'hélico là. L'hélico. C'est possible de se manier le tronc ou je sais pas. Oh putain. Oh le temps que ça vise. Ils vont partir pour un combat là. Hein. Oh les mauvais gars. Oh qu'ils sont mauvais. Il s'est fait endormir ou il est mort? Il va crever. Non c'est qu'il va crever. Regardez le tibia. Et voilà. Il l'a bouffé. Bon, c'est rien. Ah, il est mort. Ah, bah là, il est mort. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Je vous le dis. Il est mort. Le RIP. De récupération reçue 5 sur 5. Bon, c'est rien. Il n'aura pas fait long feu, le pauvre. Il n'aura pas fait. Il n'aura pas fait long feu. L'autre, il est trop chaud. L'autre, il arrive. Il est là. Je vais défoncer les gueules. C'est rien. Ça va, c'est pas comme si on était on n'avait pas de thunes ici quoi.
Ok. Bah 2, je pense que ça sera bien, pas besoin d'en mettre non plus 10 000. Ce que je vais faire, je vais repartir sur l'autre île, on va essayer de se concentrer principalement sur cette île à mettre des herbivores pour commencer. D'accord? On va mettre des herbivores pour commencer puisque les prix, même si ils coûtent... enfin, même si on ne modifie pas le génome de base, c'est quand même extrêmement cher. Tout comme lui, c'est hyper cher de base et lui aussi c'est hyper cher. Sachant qu'ils n'aiment pas être tout seuls, il va leur falloir aussi des potes. Donc ça va être très très cher. Donc on va pas tenter le truc pour le moment. Dinosaure prêt à être transféré dans son enclos. Yeah! C'est bon, il est prêt. Les amis, ça s'est bien passé, il est prêt. Ah, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble, mon pépère. Alors, en l'occurrence, je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici. Hop. Allons le transfert, c'est parti. Oh la gueule! Il est tout pépère. Hein. Il est tout penaud. La petite gueule, il me fait trop rire. Ah, il est tranquille. Hein. Je sais ce que c'est. Chongqingosaurus. Un herbivore dont le premier fossile il a, pas assez d'interaction. A été découvert à Chongqing, en Chine. Ceux qui ont choisi son nom n'ont pas cherché bien loin. On va l'incuber. Putain, il a pas assez d'interaction. Réchauffe. Il a pas assez d'interaction, ça craint. On le transfère. Mais pour moi, je... Non, non, mais j'améliore le train, si tu veux, avec mon deuxième truc. À la limite, je fais le train à... Après, je sais pas où j'allais le mettre. Hein. Ouais, je vais faire l'améliorer, mais c'est tout. Ah, il faut de la forêt, à ça. Allez, hop. Il a pas encore assez de forêt? Si, c'est bon. Tant que ça s'actualise. Hein. Il est là. On est quand même sur un délire où il serait bien content s'il avait un deuxième pote. Hein. Donc on va lui faire un deuxième. Ah, ça pique. On va transporter toi, puis viens. Tu vas venir on là. On va récupérer la cible. Et toi, tu vas venir aussi ici. En route pour récupérer l'objectif. Avec plusieurs de tes potes, parce que vous avez besoin d'être plusieurs, sinon vous êtes malheureux. D'ailleurs, voilà, voilà, à moitié. De... Oh Ah, tu parles d'une visée. Attendez, 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 faut que je me barre, faut que je me barre, faut que je me barre vite. R. Équipe de garde, faut qu'il réparte la barrière. Et vite. Et vite, faut qu'il répare la barrière. Au plus vite, ils vont se tailler en fait les autres. Et en fait, non, je vais pas m'emmerder. Hop, équipe de transport. Non, pas équipe de transport. Oh la merde! C'est bon, ils sont sur lui. Vraiment la merde, hein! Et merde! Ouah, ça craint! Allez, les flèches là, plus vite! On a bien les deux autres sinon dans le parc. Ok, ils sont comment? Ok, on va mettre le troisième, ça ira très très bien. Ouah, ça fait fuir tellement de clients. Oh, regardez tout le monde qui se casse. Regardez. Ouah. Tout le monde se barre.
vrai que la rue d'urgence, je suis un peu... Attends. Je faut ouvrir les abris. J'ouvre les abris. Regardez, ils se dirigent dans les abris. Oh, regardez le monde qui va dans les abris. C'est un truc de malade. J'ai bien fait d'en mettre. Bon, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il y va ou qu'est-ce qu'il fait? Il me le défonce. Oh là là, tout ce qui rentre, c'est un truc de malade. C'est bon, on l'a. On le prend, c'est bon. On va chercher la cible. On va défoncer la barrière, cet enfoiré. Hein. Waouh. Pas de panique, c'est bon, on a la situation bien en main, mes amis. Wow. C'est chaud ce que ça crée. C'est chaud ce que ça crée. Par contre, on va clairement améliorer la visée, la vitesse, parce que là, catastrophe. C'est bon, le dino est prêt. Allez, on est chaud. C'est parti. Un gros boss express serait bien. Oh, tellement sanguin, j'aimerais trop. Oh, il est tranquille, hein. T'inquiète, je serai pas en retard. Oh, il est beau. Oh, il est sympa. Corythosaurus est vraiment un bel exemple de la théorie du chaos. Il faut du monde, lui. Imaginez toutes les combinaisons que tente la nature pour atteindre une structure parfaite. Et pourtant, l'objectif n'est pas la perfection, mais l'amélioration à partir de l'échec. C'est un processus sans fin, même pour les humains. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, les amis. Allez, ciao tout le monde.